Vous êtes à la recherche d'une machine à pain en 2024 pour pouvoir faire votre pain à la maison sans avoir à vous prendre excessivement la tête. Chez Good Deal, on vous a sélectionné 3 machines à pain sur Amazon en fonction des retours clients. C'est-à-dire notre principal axe de recherche, donc de sélectionner des produits qui font minimum 4 étoiles sur 5 sur Amazon. Et on vous les a classés dans ce comparatif par ordre de prix croissant. C'est-à-dire que vous aurez tout simplement le moins cher en début de vidéo et le plus cher en fin de vidéo. Évidemment, entre la moins chère et la plus chère, on va être sur des fonctionnalités différentes, des capacités différentes, mais aussi des caractéristiques totalement différentes. On va être sur une qualité qui n'aura rien à voir. Donc, on vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir celle qu'on considère comme étant la meilleure de 2024 à nos yeux. Si vous souhaitez vous procurer l'un des articles que je vais vous présenter dans la vidéo, je vous ai mis à disposition tous les liens en description, vous permettant de pouvoir les acheter dès maintenant si vous le souhaitez. En troisième position, je vous ai sélectionné la machine à pain Bread & Co. 1000 Delicious de chez Secotech. On va être sur un produit de dimension de 38 par 28 par 33 cm, une dimension assez classique comme un peu tous les robots, permettant ainsi de prendre pas trop de place sur le plan de travail. Effectivement, si vous avez déjà un robot pâtissier, ce genre de choses, Secotech a fait en sorte de faire quelque chose d'assez compact pour pas que ça prenne excessivement de place. On est sur une puissance de 550 watts qui vous permettra de vraiment faire du pain très facilement. Son entretien est très simple avec son moule qui passe au lave-vaisselle sans aucun problème. Ça vous permettra de faire tout un tas de choses. Vous aurez juste à mettre votre pâte, mais aussi à mettre votre pâte dans la machine, de lancer votre programme et ça fonctionnera directement. Elle est fournie avec un petit livre de recettes qui vous permettra d'avoir des différentes recettes de pain, que ce soit du pain complet, du pain aux herbes, du pain aux céréales, ce genre de choses, vous permettant de cultiver un petit peu votre créativité. Vous pourrez faire des pains qui vont jusqu'à 1 kg. Elle vous propose 19 programmes automatiques, évidemment expliqués dans la notice d'instruction. Et vous pourrez aussi programmer à l'avance, jusqu'à 15 heures à l'avance, les programmes, permettant ainsi, je ne sais pas, de programmer le soir pour le lendemain matin. Ça peut être quelque chose de plutôt pratique. Et elle est très facile à nettoyer, comme je vous l'ai dit. On est sur une note produit de 4,3 étoiles pour 742 évaluations. Plus de 200 ont été achetés au cours du mois dernier. Elle a un prix autour de 70 euros. En deuxième position, vous avez sélectionné la machine à pain de chez Domayer. Celle-ci est un peu plus fonctionnelle, je dirais, avec plus de programmes. 19 programmes contre 15 pour la précédente, permettant de faire tout un style de pain, en allant du pain au pain de mie, au pain de campagne, pain au levain, etc. Vous avez différents programmes, des programmes sans gluten, programmes brioche, programmes pâte, programmes confiture, etc. Vous pouvez vraiment faire tout un tas de choses. Au niveau des dimensions, on est à peu près sur la même chose que la précédente, autour de 30 par 37 par 28 cm de dimension. Une puissance un peu plus importante, 650 watts contre 550. Elle est très facile à nettoyer et passe également au lave-vaisselle, permettant vraiment de vous faciliter la vie, tout simplement. On va être sur un produit avec la même utilisation que la précédente, permettant de faire tout un tas de choses avec tout un tas de programmes. Vous avez aussi un menu qui vous permettra d'avoir des recettes préprogrammées, tout un tas de choses. On est sur une note produit assez intéressante de 4,2 étoiles pour 150 évaluations pour un prix avoisinant les 73 euros. Pour littéralement 4 euros de plus, on va être sur un produit qui a bien plus de fonctionnalités, littéralement 4 de plus, qui a toujours les fonctionnalités de programmation, etc. Toujours nettoyable au lave-vaisselle et bien plus puissant. Donc pour 4 euros, concrètement, ça vaut le coup. En première position, on vous a sélectionné la Panasonic SDB2510WXE. On est sur une machine à pain automatique qui vous propose bien plus de programmes que la précédente encore. 21 programmes, soit 2 programmes de plus, permettant de faire là tout un tas de choses. Hein. Programme sans gluten, tous les styles de pain, des pâtes, etc. C'est clairement très polyvalent. Des dimensions de 30 par 44 par 40 cm. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus mastoc que les deux précédentes, mais on est sur quelque chose de bien plus puissant également, avec une machine à pain qui vous propose 4 programmes automatiques faciles à utiliser pour faire du pain sans gluten, des gâteaux, des pâtes à pizza et des pâtes. Elle est proposée avec une minuterie qui est programmable 13 heures à l'avance, donc un peu moins que les précédentes. Elle est équipée de 2 capteurs intégrés pour déterminer la température externe et interne pour optimiser chaque programme à chaque étape, permettant ainsi d'avoir la meilleure qualité de pain possible.
Son pétrissage est artisanal, puisqu'effectivement, la lame de pétrissage innovante et les nervures spécialement placées dans le moule à pain reproduisent le pétrissage artisanal pour vous offrir un pain vraiment à la texture idéale. C'est un peu fini, hein, les machines à pain qui produisent du pain moins bon que si on le fait à la main. Là, on est sur quelque chose qui est très semblable. On est sur une note produit de 4,3 étoiles pour 1001 évaluations, pour un prix avoisinant les 150 €. On est forcément bien plus cher que la toute première présentée, mais on est sur 21 programmes, pas sur la vaisselle, programmable 13 heures avant, écran LCD, et aussi avec des programmes sans gluten, vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez faire des pâtes, plein de choses. Donc c'est pour ça qu'on considère comme étant la meilleure de 2024, de par sa qualité de fabrication, mais aussi les fonctionnalités qu'elle vous proposera. C'est ainsi que ce comparatif sur les 3 meilleures machines à pain de 2024 s'achève. Comme d'habitude, on vous a sélectionné les meilleurs produits avec les meilleurs rapports qualité-prix. Si vous souhaitez vous informer sur l'un des articles que je vous ai présentés ou tout simplement vous les acheter, je vous rappelle que tous les liens sont en description. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Good Deals. Bye bye.